Aline Cédrac, personnage féminin de Alone in the Dark, The New Nightmares. On va pouvoir refaire une nouvelle aventure donc sur ce jeu, avec ce personnage, avec son point de vue. Et même, même envie de vous dire, on va même pouvoir faire son aventure sur ce nouveau jeu. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air très clair ce que je vous dis. On va juste la choisir et on va voir si vous arrivez un petit peu à comprendre ce qui se passe. Alone In the dark. In the dark. Attends, je sais plus s'il y a une petite cinématique. Non, d'accord, on commence direct comme ça. Ok, bah si vous voulez. Alors, j'ai ma petite lampe. Pour l'instant, pas grand-chose. On va continuer. On va continuer. Il y a bientôt une cinématique normalement parce que Aline, elle a atterri sur le toit du manoir. Mais logiquement, ils sont censés papoter un petit peu avec notre ami, comme il s'appelle déjà, avec Edward. Allons-y. Roulons du cul le long de. Je sais pas où je suis. Je suis pas sur le toit qu'on avait déjà vu avec Edward, hein. Du cul jusqu'à ce que il se passe quelque chose. Ah ouais, ça je connais pas. Oh, c'est cool, en vrai c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va voir des nouvelles choses. Ah. Aline? C'est bon. Carnby? C'est vous? Calmez-vous, ça va aller. Venez me chercher tout de suite. J'ai atterri sur une espèce de manoir. Il fait noir. J'ai vraiment peur. Écoutez, allumez votre torche, je vais vous repérer. Ok, c'est bon, je vous vois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, vous allez entrer dans le manoir. Il doit bien y avoir une fenêtre ou quelque chose. Vous trouvez une bonne planque et vous m'attendez. Mais... J'arrive, terminé. Bon, ok, donc toujours rien. Non, toujours rien. Ah, pas pour l'instant. D'accord. Bon, je vous dois quelques explications. Je vous ai menti. Pardon? Pardon, je vous ai menti. Enfin, je vous ai pas menti, je vous ai un petit peu manipulé. Alors, je vais vous expliquer au détail ce qui s'est passé. Vous savez qu'au départ, ça fait très longtemps que j'avais prévu de faire cette aventure sur Alone in the Dark, The New Nightmares. Et du coup, à ce moment-là, moi, tout ce que j'avais, c'était ma bonne vieille version PS2. Quand je me suis décidé à enfin le faire. Ils ont sorti cette version sur PS5, HDifiée. Je me suis dit, cool! Sauf que ce que vous saviez pas, ce que moi je savais mais que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, toute cette aventure qu'on a fait jusque-là sur Alone in the Dark avec Edward, c'était la version PS1, en réalité. Oui, je sais pas pour quelle raison, les mecs, ils ont en leur possession des versions PS2, voire PC, mais ils ont choisi de porter la version PS1. Or, ok. Et du coup, je veux dire, au bout d'un moment, la question s'est posée, je fais quelle version? Je peux faire la version PS5, plus simple à capturer, ce sera pas joli parce que c'est la version PS1, mais ce sera propre. Voilà, c'est quelque chose qui compte. Ou alors je peux faire la version PS2 directement, qui va être chiante à capturer. Mais, en fait, on voit que techniquement, à la base, c'est une version qui est un peu plus ambitieuse que la version PS1. Regardez les décors, regardez le fond. Voilà, on est sur quelque chose de quand même plus joli. Vous avez vu, vous vous souvenez hein, de l'aventure qu'on a vécue là et des arrière-plans dégueulasses. Là, ici, bah, c'est atténué. C'est pas un beau jeu de la PS2, mais c'est atténué. Donc, allez, on va continuer maintenant que je vous ai avoué mon mensonge. Ah, pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que, bah, autre mensonge de ma part. Je savais qu'en réalité il y avait deux personnages dans ce jeu et que j'allais devoir faire les deux pour avoir l'ensemble de l'histoire, pour comprendre l'ensemble de l'histoire. Je le savais déjà quand j'ai commencé le jeu. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est chiant, je vais devoir le faire deux fois. Bah attends, il y a deux versions en ma possession? Très bien. Eh ben, je vais faire chacune des versions. Et comme ça, j'ai pas eu à trancher. Donc voilà, on est sur une version qui est pas forcément plus jolie, mais qui va être mieux sous.
beaucoup de rapports. Déjà, le modèle 3D des personnages, il est juste... Bouh, le menteur! Je vous ai manipulé, hein, vous saviez pas. Le modèle 3D du personnage, il a juste rien à voir. On est voir sur les vidéos que j'ai fait jusque-là. Bon, après, je vous avoue, le jeu, il est sorti sur PC. Il est juste incroyablement plus beau que ça. Moi, c'est de la capture PS2 comme d'habitude. Je capture toujours mes jeux sur les consoles d'origine. Je pense même que l'émulation PC est bien plus jolie. Mais faudra se contenter de ça, surtout que je me suis donné énormément de mal pour le capturer, celui-ci. Pourquoi ? Parce que pour une raison que je ne comprends pas, sachez que ce jeu, j'en ai fait des jeux sur PS2 avec vous, hein, en partie. Sachez que ce jeu-là, précisément, mes méthodes d'acquisition habituelles, qui vraiment, c'est le top du top de ce qu'on peut faire en termes de capture de jeux rétro, elles ne fonctionnent pas. J'ai jamais vécu ça. Le jeu, il est pété de base. Donc j'ai dû utiliser une autre méthode et j'ai dû faire un procédé pour que ce soit un peu plus joli. Ça marche à peu près. Ça marche à peu près. Bon, allez. On va là. C'est bon ? Je vous ai tout expliqué. Je vais aller là. Ah oui, c'est là. On va vivre cette nouvelle aventure avec Aline. Aline in the Dark. Le titre est tout trouvé. Hein. Mais tu me fais montrer. Je me mouille la gueule. Oh, on est chez mamie ! Non mais voilà, vous voyez en fait les différences ? Elles sont pas du tout subtiles, vraiment. Moi je pense qu'en réalité les mecs ils se sont pas fait chier pour faire leur portage PS1. Ils avaient juste frayé des screens de ça, de cet écran là, voire la version PC. Et ils l'avaient adapté sur PS1, mais avec la résolution PS1. Au final ça donnait une bouillie de pixels dégueulasse. Là, c'est un peu plus animé, c'est un peu plus joli, reconnaissez, hein, c'est beau. Enfin, c'est beau. Non, parce que ça devait pas être un très beau jeu PS2 de base, déjà. Alors, oh mamie ! Elle sert à rien, mamie, on l'a plus revue avec Edward. Je ne connais pas le son de vos pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je cherche du secours. Vous n'auriez pas dû venir, mademoiselle. Cet endroit n'est pas fait pour vous. Ni pour personne, d'ailleurs. Mais... qu'est-ce qui se passe ici ? Obed, mon fils est en danger, mademoiselle. Obed ? Vous voulez parler du professeur Obed Morton ? Les créatures de l'ombre. Il faut que vous l'aidiez. Il faut qu'Obed parte avec vous avant qu'il ne soit trop tard. Attendez, les créatures de quoi ? Les créatures de l'ombre ? Mais qu'est-ce que... Voyez-vous, mademoiselle, ici sur Shadow Island, les ombres sont vivantes. Elles viennent vous lécher le visage comme les flammes de l'enfer. Les ombres sont froides et acérées, comme des lames, et les ombres vous guettent. Elles se nourrissent de votre souffle et de votre chaleur, et surtout de votre peur. C'est la lumière qui combat l'ombre. Mais c'est aussi la lumière qui la révèle. Mais Obed vous expliquera cela mieux que moi. Où est-il ? Comment le saurais-je ? Je ne l'ai pas vu depuis 3 jours. La dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a confié cette clé. Une statue dans le fumoir. Prenez-la. Mais... chut ! Écoutez. Ah, et voilà, c'est bon. On commence là, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on commence bien l'aventure. J'ai enfin trouvé la première petite clé dorée. Oh, la première d'une longue série, ne hein, vous inquiétez pas. Et là, mon petit xénocide. Ça va bien. Alors, juste un truc, histoire j'entends de... J'entends rien. Justement, taisez-vous. Howard, Howard. Taisez-vous. Mais c'est taisez-vous. Quoi? Howard, mais que fais-tu à la fin ? Qui est Howard ? Mais mon mari, enfin ! Le père d'Obed. Howard ? Mademoiselle, je vous en prie, allez voir dans le couloir. Mais elle pète un plomb, mamie. Oh. Howard ? C'est toi ? Alors, il est possible qu'on rencontre de nouveaux personnages, hein, qu'on n'avait pas vu avec Edward. C'est bon ? Ouah, par contre, qu'est-ce que c'est sombre ? C'est une version qui est plus sombre que la version PS5 qu'on a fait juste avant. Hein.
Donc, le fait d'avoir changé de version, en réalité, il y a juste un truc qui me gêne un petit peu. Alors, cette version-là, tu joues la version PS2, tout à fait. Tout à fait. J'ai fait un long monologue pour expliquer pourquoi. Mais c'est prévu depuis le début. Par contre, j'ai plus accès au rembobinage. Donc, on m'a dit que cette version-là était plus accessible avec Aline. Et j'espère, parce que le jeu est dur, putain, quand on est dans sa version avec Edward. Allez, go. Mais on le voit, en vrai, les modèles de personnages sont nettement plus beaux. Ah, mais c'est le... On connaît, ça. On connaît. Le fameux bouquin. Pourquoi c'est croppé comme ça? Oh, stylé. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Quoi? J'ai un flingue ou pas? Déjà, c'est sympa, merci. Je pense qu'effectivement, je suis resté trop longtemps sous la pluie, à la choper un rhume, et du coup, j'ai plus de vie. Génial. J'ai pas de flingue. Mamie, c'est ton animal de compagnie? Va falloir le calmer, hein. Je fais quoi, moi, avec lui? Mamie? Elle s'en bat les couilles! Attends, qu'est-ce que c'est, ça, par terre? Une trousse de soins. Alors ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. J'ai plus le rembobinage, donc j'ai intérêt vraiment à faire méga gaffe. Est-ce que je peux joindre, déjà? Alors, est-ce que déjà, elle va dire... Edward? Carnby? Ah non, Carnby. Ok, d'accord. Elle veut pas trop de proximité avec Edward, tu vois. Elle a bien compris que c'était un mort de faim. Ouais, mais il va falloir me donner un truc pour me défendre. Moi, je fais quoi? Il y a un dragon qui est sorti du tapis à un moment. Ouais, mamie, il y a un dragon dans votre chambre, ça va? Elle regarde, hein. Mais c'est Kiki! Mais non, c'est Kiki! C'est normal! Putain, par contre, le plan de caméra qui t'empêche vraiment... Tu vas m'agresser. Ouais, mais c'est chaud. Ah, il aime pas la lumière. Là, si j'éteins... Ah. Mademoiselle, là, sur la table, prenez. Qu'est-ce que c'est? Cette amulette indienne vous permettra de ne pas perdre le fil de votre vie. Ah cool, les trucs de sauvegarde. Mais pourquoi? Comment ça? Et faites attention, mademoiselle. Ouais, bah merci. Bon, en tout cas, mamie, elle est plus sympa que... qu'avec Edward. Ah, c'est ça? C'est ça dont tu veux me parler? Là-dessus? Ouais, une amulette de sauvegarde. On voit pas grand-chose dans cette chambre, mais vraiment... En vrai, c'est cool de me balader là-dedans avec des modèles vraiment... mieux défini quoi. Les personnages, les environnements, c'est quand même autre chose. Bon, les musiques, c'est toujours des grincements, hein. Mais ça changera pas. Il y avait une lumière là-bas au fond. Ah, mais par contre, qu'est-ce que c'est? Enfin, je sais que c'est sombre, évidemment, c'est le but. Oui, mais oui. Alors. Ok! Ah ouais! Alors du coup, c'est carrément différent qu'avec Edward, qui a un mode bourrin, un mode moi je. Bam! Je me sers de mon fusil. Et la lumière ici, elle a vraiment un rôle à jouer pour éliminer les monstres en fait. C'est beaucoup mieux! C'est même. Bah. Finalement, on est. C'est plus logique étant donné le jeu que c'est finalement quoi. Bon, je vais où? Je prends cette porte? Ah, c'est Alone in the Dark, ouais, ça marche. Cette porte est verrouillée. Faut que je trouve la clé. Bien dit, Aline in the Dark. Là, vous avez vu, elle n'a pas encore enlevé son blouson, là. Pour exhiber ses gros boobs. Je dis ça parce qu'en fait, Edward, il kiffe, hein, visiblement. C'est lui qui fait la remarque au début, en mode... Ouh. Mais dis donc. Non, 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 non.
Mais ça marche pas? Attends, j'ai pas... Ah! Non, 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 non! Oh, j'espère qu'il y avait pas des trucs à récupérer. Je comprends pas trop, par contre. Les monstres, ils craignent la lumière, c'est ça? Alors... Tu es où, au niveau de ma vie, là? Il faut vraiment que je fasse gaffe, hein. Le rembobinage est plus possible. Ça va peut-être être chiant sur quelques parties du jeu, ça. Ah oui, on revient là, on revient là. Mais là, il n'y a pas de bestioles, parce qu'en fait, les petites bestioles qui étaient là, dans cette salle, initialement... Carnby, ce n'est pas une île, c'est un cauchemar. Dans quoi vous m'avez entraîné? Il fallait les buter aux flingues. Et Aline, elle n'en a pas. Je vous ai dit de rester planqué, trois, j'en sais pas plus que vous. Mais d'où ça vient? Nous sommes passés dans une autre dimension? En mode Alan Wake. Mais même Alan Wake, en fait, il devait flinguer les ennemis, en fait. Elle est complètement démunie. Alors, tiens, petit questionnaire. Préférez quelle version, visuellement? Ah, c'est quoi? C'est un truc à ramasser? Une boîte de cartouches de phosphore. Bon, bah, ok, c'est peut-être une situation... qui est voué à changer, que je n'ai pas de flingue. Ah, par contre, attends, quoi? Ah, ouais, Carnby, lui, il peut passer là. Aline, elle, visiblement, c'est pas possible. Attends, attends. Mais j'avais remarqué avec Carnby que là, il y avait un mur qui pouvait être poussé. C'est peut-être avec Aline qu'on va le faire, parce qu'effectivement, on le fait jamais avec Edward, ça. Si je l'appelle, ça donne quoi? Carnby, je suis dans les greniers. Je tourne en rond. Et tous ces monstres? Je suis sûr qu'il y a une clé quelque part. Servez-vous de votre torche. Vous auriez dû me laisser une arme. Quand je vous disais que vous n'aviez pas idée des dangers qui nous attendaient. Eh bien, vous auriez dû insister. Oh putain, elle est toujours aussi désagréable même quand on la joue. Un délice. La version PS2 est supérieure. La version PS2, ouais, elle est quand même plus jolie. Elle est plus jolie en étant moins propre, c'est ce que je disais. Après, quelle galère. Je sais pas pourquoi cette version, j'ai eu... Je vous en ai proposé plein, des jeux en let's play sur PS2, des one-shots, etc. Jamais un jeu avait refusé d'être capturé. Celui-ci, avec mes méthodes d'acquisition normales, ça ne fonctionne pas. Enfin, normales, celles que j'utilise habituellement. Dès que j'arrive au menu principal, c'est écran noir. Je n'ai jamais vu ça. Le jeu est vraiment cassé de base, en fait. Mais attends, il m'a parlé d'une clé, mais il n'y a pas de clé. Il a parlé d'une clé. Bon, il va falloir aussi que j'essaye de comprendre comment ça marche avec les ennemis. Genre, il faut que je les éclaire ou pas? Parce que tout à l'heure, je les ai éclairés, ils avaient l'air de s'en battre les couilles, hein. Ils s'en battent pas les couilles, mais c'est marrant. C'est les mêmes ennemis qu'on a vus avec Edward. Mais là, ils se mettent à craindre la lumière. On est d'accord qu'avec Edward, ça arrivait jamais. Que c'est vraiment là que je dois aller. On va continuer vers l'autre porte. Alors, les temps de chargement sont un peu plus longs, du coup. Pas tellement. Tout petit peu. Hein, et pendant ce temps, moi, j'entends les bruits de PM de ma PS2 qui fait des... Alors... Ah, mais non! Parce que normalement, je passe par là avec Edward. Mais ouais, ça donne sur la pièce d'où je viens, et forcément... ça fonctionne pas, mais attends, je viens d'y penser, mais... Il me faut une clé, elle a dit. Mais bien sûr, mais j'ai une clé. J'y ai pas pensé, mais j'ai ma clé dorée. Alors c'est pas grave, ça m'a permis de récupérer quoi? Ça m'a permis de récupérer des balles, d'aller dans cette salle qui était là-bas. Mais du coup, attends, est-ce que... Objet, clé... Non? D'accord, ok. La porte est verrouillée. Okay. C'est déjà un plaisir, en fait, de constater que, ouais, effectivement, c'est pas les mêmes aventures. C'est toi, Ressa, qui m'a dit sur le commentaire de la dernière vidéo, que tu te souvenais pas que ça se terminait de la même façon avec Aline. En vrai, c'est cool. C'est un bon point. Si c'est vraiment le cas jusqu'à la fin du jeu, on va, c'est sûr, on va revoir des environnements. On va revoir que des environnements qu'on a déjà vus.
Mais... Si, juste... Attends, mais c'est pas là que je dois aller. Ah, mais oui, c'est là que je dois aller, en fait. En face de moi, là, il y a... Mais dégage! Oh, putain, mais quel casse-couille! Mais dégage! Waouh, les dégâts que j'ai pris! Mais il est sur mon chemin, à un moment, comment tu veux que je fasse? Allez, hop, on se casse. Vite, Aline, sa mère! C'est bon, ici? Ouh! Eh, ça commence bien. J'espère que par contre, il y a beaucoup de kits de soins. Pas trop courir. Lumière, c'est des joueurs de LOL. Ils ont une odeur, Bahama. Ils jouent à LOL. Alors, je suis où, là? Laisse-moi prendre l'objet. Je t'en prie, laisse-moi au moins prendre le truc. Non, non, non. Non, tu fous le camp. Tu fous le camp. Retourne jouer à LOL. Mais ramasse-le, putain! Qu'est-ce que tu fais chier? En plus, c'est une clé, quoi! Ça, il me le faut. Eh, vous êtes sûr de ce que vous m'avez dit? Genre, ouais, la version avec Aline, elle est beaucoup plus simple. Bon, avec Edward, j'avais grave moyen de ne pas me faire toucher. On dit que là, là, il me crache dessus, genre à distance, quoi. Bon, alors, essayons cette clé. Non. Merci, merci. Merci, c'est parfait, merci. Ah, merci, c'est trop gentil. Ah ouais, non, mais parfait, ça, parfait. Je vais devoir revenir dans le couloir des pets burnes, des deux casse-couilles de monstres qui sont ici, là. Ok. Tu as combien au niveau de ma vie? Ouais, j'ai trouvé un soin, donc c'est cool, mais ça va. En fait, par contre, j'ai l'impression qu'elle encaisse un peu mieux. Enfin, en tout cas, que les monstres sont plus sympas avec elle. Parce que c'est une fille. Avec Edward, la vie, elle descendait vachement vite. Hein. D'ailleurs, rappelez-vous, elle descendait très très vite. Elle est vite. Et... Verrouillée, d'accord. Et... Un kit de soins ne permettait pas de la retrouver entièrement. Non... Est-ce qu'à un moment, je pourrais utiliser mes clés? Vous le permettez ou pas? Est-ce que c'est possible dans votre jeu d'utiliser les clés? Ils sont là? Ils sont là. Comment je fais? Je vais sortir. Mais ça va être chiant comme truc, en fait. C'est-à-dire, alors techniquement, ouais, je peux bouger ma lampe indépendamment que je me déplace. Mais comme c'est... Déjà, non, ça marche pas. Faut que je m'arrête. Puis c'est juste pas possible parce que je me déplace avec la croix directionnelle et la lampe c'est avec le joystick gauche, vas-y. Essaye de jouer comme ça, toi. Les monstres dès le début m'ont bien brisé les ovaires. Ouais, vraiment. Mais en vrai, enfin, je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu plus bourrin, j'en sais rien, mais je préfère... Allez! Je t'éclaire, là! Je t'éclaire! Mais je préfère largement, en fait, avoir un flingue et buter ces trucs-là que de devoir les éclairer comme je fais là, hein. Par le pouvoir de la lumière. Là, je fais quoi? Ils se sont dispersés, les deux connards. Par contre, ouais, putain, les effets de lumière, ils sont... Oh là là, ça va me saouler. Les effets de lumière, ils sont pas dégueulasses, hein. C'est là où je devais aller. Il y avait une porte ici à tester. On va tout tester. De toute façon, je sais pas comment je dois me barrer d'ici. Donc, on va tout tester et on verra bien. J'ai récupéré une clé depuis, donc avec un peu de chance. Parce que là, des clés, j'en vois, j'en trouve. Des portes, on a pas mal. Oh oui,
Ce son incroyable! Vous déverrouillez la porte. Ouh. Hello, Ludovic! Et tout le jeu avec Aline, ça va être comme ça avec la lampe? Je me pose la question. Après, pourquoi pas, hein, honnêtement. Ça change pas mal du gameplay de Edward. Ouais, ça donne même une justification au fait de devoir le recommencer deux fois. T'as quand même envie de tester. Mais ouais, je suis pas... Tu n'as rien entendu ? Mégaphone. Je te demande de me répondre. Je te jure que j'ai entendu quelque chose. Arrête de fuir. As-tu, oui ou non, parlé de nos recherches à ce lambe ? Et toi, comment crois-tu que j'ai pu te fournir tous ces cobayes, hein ? C'est ton problème. Ça me rappelle Luigi's Mansion. Ce n'est pas mon problème, c'est notre problème. Obed, écoute-moi bien. Cela fait des années que je supporte ta lâcheté et tes jérémiades. Mais c'est fini maintenant. Depuis le début, tu connais mon objectif et personne, surtout pas moi, ne t'a forcé à me suivre. Alors, si j'apprenais que tu nous as trahis, tu me connais. Tu sais que je n'aurais aucune hésitation. Oh oui. Oui, je te connais. Tu es complètement fou. C'est toi. C'est toi qui as... Oui, c'est moi. Et alors, ne te mets plus en travers de mon chemin. Retourne tes paradis artificiels et laisse-moi accomplir notre destin. Allez, Aline, éclaire-les. Tu rentres dans la pièce, tu fais... Bon, j'imagine que je peux pas rentrer, du coup. Étonnamment. Ça m'aurait étonné, genre... Hé, hey, bonjour! C'est ici qu'on complote? Alors, vous disiez quoi? On s'installe, tout ça. En tout cas, par contre, je suis pas mécontent, malgré le fait que j'ai effectivement galéré pour avoir cette qualité-là, c'est pas trop dégueulasse. Alors, faut savoir que du coup, en plus d'un petit boîtier un peu cheap dont je me sers, au lieu de la méthode d'acquisition habituelle avec des câbles YUV, là, j'ai vraiment l'adaptateur. Mais du coup, pour que ce soit un peu joli, j'ai mis en plus le Marseille. Le boîtier, enfin c'est un petit adaptateur, le Marseille, qui est super, alors oui, ça s'appelle le Marseille, parce que le mec qui l'a inventé venait de là-bas. Sur les consoles rétro, ça fait parfois des miracles, ça lisse un peu tout, et ça va, c'est pas trop trop moche. Encore une fois, on est sur de la PS2, si vous voulez voir vraiment une version PC jolie, c'est possible par contre. Pas de mon côté, mais c'est possible, ça existe. Alors, je peux y aller là ou pas? T'as parlé avec mamie, elle va bien? Elle va bien. Elle t'a donné bonjour. Elle a voulu me donner un biscuit, mais il était un peu sec, du coup je l'ai pas pris. Alors, ah oui, ce couloir. Là, je pense que je peux pas rentrer, c'est pas la bibliothèque? Ouais, cette porte est verrouillée. Oh, ça va me faire plaisir en vrai de redécouvrir le manoir. Mais comme ça, en fait. On redistribue toutes les cartes. Je sais pas trop comment progresser. Oh, déjà ici. Ah oui, c'est la pièce où il y a plein de trucs indiens là. Attends, je peux aller allumer ou pas? Je pense qu'elle est allumée, mais bon. Ouais. Oh. Sauvegarder. Je vais faire ma sauvegarde. Le mec, ça y est, il a entendu un monstre qui a fait. Et ça y est, il s'est chié dessus. Il n'a pas attendu. Et cette fois-ci, par contre, quand ils me disent ne pas retirer les memory cards, c'est vrai. Il y a vraiment une memory card. C'est incroyable. La musique est tout sauf agréable. Franchement. Alors je vois un peu le genre, hein. Une sorte d'orgue. Un peu flippant, mais. C'est dégueulasse. C'est un truc par terre, là, ramassé ou. Qu'est-ce que j'ai vu qui a brillé, là? Ouais, mais si j'éteins, il y a des monstres, c'est ça? Attends. Comment je fais déjà? Elle est où, la lumière? Il y a.
a deux portes, en fait, ici? Depuis quand? Avec Carnby aussi, il y avait deux portes? Du coup, ça fait apparaître des monstres ou pas? Parce que j'ai entendu un graou tout à l'heure. Hein. Ah, mais en fait, ça va. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ouais. Ah, c'est ça qui brille. Ah ouais, du coup, on voit le loup, une statue du loup à tête de loup. Ah ouais, mais on le voit que la nuit. Ah, c'était pour ça qu'en fait... moi, ça m'avait étonné. Pas fermer ta gueule. J'avais mis la tête de loup sur la statue au pif. Et ça avait marché, j'étais là en mode... comment ça? Mais en fait, c'est pas mal comme effet. C'est pas mal, seulement avec Carnby... Visiblement, j'ai pas trouvé l'interrupteur, parce que les plans de caméra sont tellement pérables avec ce jeu que bon... faut pas m'en vouloir, hein. Attends, il y a un autre truc qui brille, là, non? Oui, oui. Ah oui, c'est ça qui brille, là, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Que c'est? Une statue indienne primitive, le socle est phosphorescent et contient une arme. À chaque fois que j'interagis avec ça, ça fait graou. Bon, oui, ok. Ok, bah j'ai rien à faire avec ce truc-là pour l'instant. D'accord. Ok, je retiens. On va rallumer. Pareil, si là je peux... D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est cool. Du coup, quand t'éteins la lumière, tu vois que le socle, il est normal. Alors qu'il est transparent, la lumière éteinte. C'est rigolo, ça. Enfin, y a des idées qui sont un tout petit peu plus intéressantes du côté d'Aline que du côté d'Edward. Qui pousse peut-être plus le jeu à la réflexion que dans toute l'aventure qu'on a fait juste avant. Mais je vais où, du coup? C'est mamie qui se met à l'orgue. Mais ça, pour toi, c'est pour t'encourager. Viens chercher un gâteau. Ah, cette porte est verrouillée, attention. Est-ce que j'ai la bonne clé? Ah non, mais si j'ai pas la bonne clé, je vais pas où aller. Hein. Non? Fais chier? Attends, c'est vrai que je peux les examiner normalement, là. Une toute petite clé dorée que Lucie m'a donnée. Elle me l'a donnée en disant quoi, déjà, elle? Attends. Est-ce que par hasard, cette statue, elle s'ouvre avec une clé? Parce qu'elle n'a pas parlé d'arme tout à l'heure quand je l'ai, quand elle m'a donné cette clé. Pas une grosse certitude, mais ça me dit quelque chose vaguement. Ce freeze qu'il y a entre les plans de caméra, c'est insupportable. Alors. Il y a un dieu. Ouais. Il faut peut-être. Oh! Ça marche! Oh putain, mais ça a pété un plomb! Vous ouvrez le socle. Ils auraient pas pu, genre, te dire. Ah ouais, bah oui, j'ai récupéré le revolver. Ils auraient pas pu te dire. Dans cette statue, il y a... C'est sans te dire que c'est une serrure, histoire que tu réfléchisses un petit peu, il y a un trou. Genre juste ça. Le mic ressemble à un chat qui marcherait sur le clavier d'un synthé. Bah oui, mais avec... c'est les modes très aigus des synthés. Là le chat fait oula, si, il recule et ça fait ça. Vous prenez un revolver. Ah merde. Arme. Qui paye. Allez. Du coup, attends, est-ce qu'ils sont toujours... Ah mais la lumière, où ils s'en battent les couilles, en fait.
Pardon, quoi? Quoi? Attends. J'ai plus de balles? Merde, ça c'est malin. Mais pourquoi vous m'auriez donné le flingue maintenant? C'est pas pour l'utiliser contre ce monstre qui m'agresse ici. J'ai plus de balles, c'est une blague. Mais déjà, qu'est-ce que je suis censé faire avec le flingue? En quoi ça va m'aider à avancer? Je dois flinguer mamie? Y'a pas les munitions, mamie, avec? Et bien sûr que je suis mort. Salut Golden Tiger, ça va bien? C'est... Ça, ça vient de commencer. Et c'est fou, hein. Dès que je trouve le flingue, que du coup, il y a des phases d'action... Alone in the dark. Non, non, non. Ça pue la merde, en fait. De nouveau. Bon, je vous le dis, Infogrames, il mérite leur réputation, ou leur amour. Je comprends pourquoi le JDG, il en a peur. Mais non, mais... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de hasard. C'est obligé. Non, il n'y a pas de trophée sur la version PS5 Premium Golden. Ce qui m'a beaucoup étonné. Parce que généralement, c'est des jeux où il y a... Il rajoute quand même quelques trophées pour te donner une petite carotte, tu sais. Et non. Non, non. Il y a zéro trophée. C'est fou. C'est fou en vrai. Vous êtes sûr que je dois pas buter ce connard là qui est là? Par contre, la version est cool, mais ça reste la version PS1. En fait, j'ai piégé tout le monde en disant non, j'étais pas au courant. Donc, allez. Allez, pas joli, tu vois les modèles 3D qui sont pas cool, les fonds, les décors sont pixelisés, ça pique les yeux vraiment. C'est juste là, c'est pire que ça, quoi. On a un revolver. Du coup, je comprends pas quoi faire en vrai. Oui, c'est un pistolet à billes. On s'en servait avec Obed quand on était petit. On se tirait avec des balles en mousse. Je pense qu'elles sont encore dedans. Allez, va me le chercher. Je commence à péter un plomb, j'en peux plus. J'ai New Nightmares. J'ai fait combien là? J'ai fait pas plus de 10 pièces hein, dans le jeu. Ça y est, je suis déjà bloqué, je regarde une Solus. C'est quoi cette merde? Nightmares, Solus. Oh mais il y a un moment, c'est fou quand même. C'est au début, donc j'aurais pas besoin de beaucoup chercher, mais bon. Avancez dans le couloir, prenez la clé sur un simple, vous trouvez de soins, de munitions, faites maintenant demi-tour et ouvrez la porte à côté de l'interrupteur, actionnez, le long des escaliers, continuez votre descente, une porte musée. Ouvrez la porte sur la gauche, allumez la lumière, rapprochez-vous de la statue, utilisez la clé pour l'ouvrir, vous obtenez enfin une arme. Vous êtes ensuite attaqué. Voilà une bonne occasion de tester la puissance de votre arme sur le monstre. La puissance qu'il dit. En fait, jeuxvideo.com, c'était des trolls déjà il y a 10 ans. C'est fou. La puissance. Il bronche pas le truc. Ouvrez ensuite la porte à côté de la fenêtre. Comment ça, j'ouvre la porte à côté de la fenêtre? Mais elle est fermée. Quoi? Alors juste, tiens, je peux vous le montrer, hein, parce que c'est un peu drôle, mais... Merde. Je me trompe à chaque fois. 6 balles, hein, 6 balles. La puissance, attention. Bon, déjà, ça commence mal cette histoire. La puissance. Mais je suis censé te faire peur. Fouloulou.
J'ai jamais rien vu d'aussi puissant. Eh mais t'imagines, je dois taper le boss chauve-souris là qu'on avait vu avec Edward. Avec ça, avec le pistolet à billes là. Autant attendre qu'il crève de vieillesse, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas avec ça que je vais pouvoir faire quelque chose, hein. Jeuxvideo.com, ils disent tester la puissance. Là, ça peut pas être un bug genre d'émulation, tu vois. On est sur la version de base. C'est pas possible, tu peux pas. Pourquoi j'ai voulu jouer à ça? Il y a plein de chouettes jeux modernes. Ils sont pas faits par Infogrames en plus. Et on va jouer à ça. Attends, alors d'abord que je vérifie quelque chose. Avant de... Alors ils disent la porte à côté de la fenêtre. Là? On est d'accord, vous parlez de ça. La porte est verrouillée. Ah oui? Bah quoi? Oui, la porte est verrouillée, et alors? Vous avez fumé du crack, jeuxvideo.com? Attends. On récupère le truc. Déjà, faut le savoir, en vrai, hein, que... Comme j'ai dit, que tu peux mettre une clé là-dedans. Hein. Rien que ça, c'est le bordel. Genre, j'aurais compris si le monstre, il venait par la porte. Tu sais, il l'aurait défoncé, il vient par la porte. Mais il vient d'un trou noir, le truc. Il se téléporte comme Doctor Strange. J'ai des plans de caméra, je vous avoue. J'en ai fait 10 là. Mais quoi? Mais c'est fou! Mais. Professeur Morton? Mais c'est fou! Professeur! Mais il y a un problème de malade! Comment t'es censé savoir que la porte s'est déverrouillée? Je l'ai testée avec vous. Elle était verrouillée, elle n'était pas bloquée, elle était verrouillée. Le monstre, il est arrivé et il a utilisé sa petite clé. Et après, il s'est dit, attends, je vais soigner mon entrée dans la pièce et je vais me téléporter. C'est... Mais non. Mais même par contre, avec Edward, il n'y a pas eu de dinguerie comme ça. C'est incroyable. C'est un troll obligé. Je pense, ouais. Oui, il est sympa, ce monstre. Il ouvre les portes. Bah, il le dit pas, par contre. Hein. Il ouvre les portes, mais c'est un héros un peu discret, tu vois, il ose pas. Attends, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, je dois faire toutes les portes et il y en a qui s'ouvrent... C'est magique? Mais non, ça c'est inacceptable, vraiment. Je l'ai testé devant vous. Évidemment que j'étais bloqué, comment tu veux savoir ça? Je pense que tout le monde a un jour testé ce jeu, s'est retrouvé bloqué ici. Alors... Ah, on a entendu l'autre gars qui... Il a pris une petite porte, on va aller sur le hall là. Mais du coup, je pense que la porte du hall, elle est fermée. Pourquoi je pense ça? C'est parce que le hall, c'est un peu l'endroit où squatte Carnby, normalement. Avant de retrouver... Aline, pardon. Il a été là-haut? Attends, avant d'aller là-haut, je vérifie quand même. Ah là, je peux l'ouvrir. Ça, c'est quoi déjà? C'est quoi ça déjà? Ouais, je crois que ça va... Là, il y a un bureau, cette porte est verrouillée. C'est le bureau où il y a, je crois, un terrarium, un truc comme ça. Là, avec Edward, on trouvait le premier zombie. Ouais, d'accord. Oui! Ah, mais non, il est là, lui! Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu pour vous parler, je... Me parler? Mademoiselle, on ne vient pas sur Shadow Island pour parler. Ici, parler ne sert à rien. Oh! Papa ?
Et voilà pourquoi elle se retrouve ici. Et visiblement, le gars s'est un petit peu fait plaisir avant de la libérer. Il a pris son blouson. Carnby ? Il lui a fait une Léon de Resident Evil 4. Aline, je vous croyais morte. Moi aussi. D'accord, ouais, personne n'a compris là, je pense. Pour cet enfer. Je veux que ça s'arrête tout de suite. Je vous comprends. Vous me comprenez, vous me comprenez. Vous ne comprenez rien du tout. Je ne sais pas ce que vous, Johnson ou le professeur Morton me voulez, mais je veux juste que ce cauchemar s'arrête. Et maintenant. Aline, reprenez-vous. Où êtes-vous? Dans une chambre. Obed Morton m'a endormie et m'a enfermée ici. Moi qui voulais l'aider. Votre professeur n'est peut-être pas si merveilleux que ça, à ce que je vois. Ne bougez pas, j'arrive. Vous n'avez rien de mieux à proposer? Je voudrais bien vous voir à ma place, vous. Bon ben, dépêchez-vous. Ça fait ça, d'être de l'autre côté de la connasserie, en fait. D'accord, ok. Bah ouais, mais pourquoi pas, hein. Ok. C'est intéressant de constater que oui, là reste une grosse pouffe. Mais il m'a attends. Ah non, j'allais dire, il m'a viré mon arme, mais en fait non, c'est juste que... Je crois que je l'ai jamais équipé à tel point, elle est grave utile. Du coup, je dois attendre Carnby, c'est ça? Parce que normalement, oui, c'est lui qui est censé venir me libérer, quoi. Cette porte est verrouillée. Ouais. On va fouiller un petit peu. On va en profiter, je crois qu'il y a un cadre là. Un indien posant devant une porte souterraine. Si je trouvais des soins, des sauvegardes en vrai, que là je vais vraiment maintenant en avoir besoin. Là avec Aline, avec la version PS2, là, je crois que je veux une sauvegarde justement là. Ouais, une sauvegarde ça, putain, on les voit vraiment pas les objets. Hein. On les voit vraiment pas, c'est fou. Ah, je peux y aller là? Parfois, il la remet à sa place. Bon, pff. Je laisse un peu faire. Hein. Ça se voit qu'il a envie de choper. Et il ose pas, il la brosse dans le sens du poil. Ou alors, il aime ça. On avait dit, oh, que je sais ça. Oh, le fusil à triple canon. Oh, putain, mais merci, mais donnez-moi une vraie arme. Ah, ça, au moins, je sais, je connais. Ça, je connais. Ok, ça va peut-être finir par être intéressant, cette histoire. Donc, elle aussi, elle trouve le fusil à triple canon de Carnby. Ça fait 6 canons au total. C'est pas mal. 7, si on compte Aline. Oh, putain. Ouh, ça me vaudrait presque un hashtag sur Twitter, ça. Alors, et là, du coup, je crois qu'il y a une porte que je peux pas ouvrir de ce côté. Mais on... Hein, c'est quoi, ça? 3 trousses de soins. Si je vais de me faire comprendre quelque chose, c'est ça? Tu m'aimes bien, c'est ça? 3 trousses de soie, merci. Par contre, oui, c'est vous? Ah. N'en faites pas trop. Vous avez eu les documents? Arrêtez ça, on dirait Alan. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Le bâtard qui m'a tiré dessus? 2 agents ne font pas le poids. C'est l'armée qu'il nous faut. Vous êtes vraiment le dernier des salauds. Venez me chercher immédiatement. Lamb. On ne le connaissait pas, ce personnage, en fait, avec Edward. Non, ne fais pas ça, je vais t'expliquer. C'est quoi, ça? Ok. D'accord, bah, si vous voulez. D'accord, ok. Trop tard, là où Carmi arrive. Ah non! Bon, ça va, c'est plus à la mode maintenant, le balance aux youtubeurs, ils sont passés à autre chose. Alors, j'espère que ça va être mieux vraiment maintenant que j'ai une vraie arme. Tiens, c'est bizarre ça, non? Je sais pas. Je trouve que cette pierre elle ressort. Non. Ce qui est dommage, c'est le manque de munitions. Bah, j'ai trouvé des balles. Ouais, j'en ai 36 là. Donc j'en ai normalement en fait. Bah, avec Edward, en tout cas, j'ai jamais eu de problème de munitions avec cette arme là au final.
Normalement, ça va, ça passe. Y a d'autres soucis dans le jeu. Une clé Allen. Barry Allen. Oh putain, trois trousses de soins. Oh, mais je tu es vraiment? Tu es sûr? C'est pour moi? Tu t'es pas trompé? Là, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu fais une commande Amazon, et qu'en fait, on t'envoie le double des trucs. Moi, ça m'est arrivé un jour. Une commande de jeu où j'avais deux fois les mêmes jeux. J'avais commandé trois jeux à la base, mais je me suis retrouvé avec six. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, en fait. Cette porte paraît condamnée. Ah. Carnby, enfin. Voilà, lui. Vous allez me dire ce qui se passe. Je ne le sais pas encore. Tenez, j'ai récupéré vos affaires. Merci. Je n'aurais jamais dû accepter que vous veniez. J'ai mes raisons pour être ici. Vous avez pu parler à Obed Morton ? Non. Et vous ? Oui, non. Je sais plus, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs Obed Morton. Ne vous emballez pas. C'est trop dangereux. Il faut que nous trouvions un endroit sûr où vous pourrez m'attendre. Écoutez, Carnby, vous savez comme moi que le seul endroit sûr se trouve à 2 heures d'avion. Je m'en suis pas si mal sortie jusqu'à maintenant. Et je compte pas rester à ne rien faire pendant le temps qu'il me reste à vivre. Je veux savoir. Tout à l'heure, j'ai entendu une voix qui venait de dessus. C'est quand même autre chose que... Il y a une trappe. Que la version PS1. Hein. Ils ont même fait l'effort de faire bouger les lèvres. Pourquoi ne resterions-nous pas ensemble ? Les modèles de personnages, quand même, c'est vraiment autre chose. Vous m'avez dit dans l'avion ? Même si la version PS1 se défend probablement très très bien. Hein. Et si je refuse ? Vous ne refuserez pas. Mais ouais, c'est cool. Ah oui, d'accord. Et là, c'est ce mouvement un peu bizarre qu'on avait vu la première fois et que j'avais eu du mal à l'interpréter. Il était encore plus bizarre sur PS1, du coup. Que c'est que ça ? Des mystiques ! Nom de Dieu ! Je n'aurais jamais cru que mon salut puisse dépendre d'une femme. Oh non, la misogynie ! Vous avez su parler au miroir. Ah voilà, vous avez quelqu'un à balancer sur Twitter. Je sais ce que vous cherchez, et je peux vous aider à le trouver. Nous avons tous besoin de savoir d'où nous venons. Nous avons tous besoin de savoir d'où vient le sang qui coule dans nos veines. Alors moi, Judas Desserteaux, je vous propose un pacte. Ce vieux sorcier de Dancho m'a dérobé mon miroir. Si vous me le rapportez, je lèverai le voile qui vous dissimule votre passé. Je sais que je peux vous faire confiance. Allez. Mais ça, on n'y avait pas eu avec Edward. En vrai, ça fait un peu plaisir. Il y a plein de nouvelles, de nouveaux personnages. Il se passe plein de choses en réalité avec Aline. Moi, je pensais qu'elle faisait rien. Bah, finalement, en fait, elle fait des aventures mystiques de son côté. Elle voit des Indiens dans des miroirs. Indien ? Il est encore là ? D'accord, ok. C'est même peut-être plus cool en réalité. De quoi ? Il voit pas trop le soleil, Edward. C'est normal, c'est Edward de Twilight. Il brille dans le noir, comme les luminous. Oui, je suis vers quoi maintenant, moi ? Une caisse vide expédiée par le Boston Planetarium. Ouais, mais attends, mais... Alors attends, si Edward m'a balancé par là, c'est bien qu'il y a une... Ah, là ! Ah oui ! Vas-y. Ça, c'est même... Attends. Déverrouiller la porte ? Mais je m'en fous, moi, de ça, je veux l'allumer. Mais allume-moi cette lumière, nom de nom ! Ah, attends, bah déjà, on va savoir où est-ce que ça nous donne. Mais est-ce que, si ça déverrouille la porte, ça veut dire que... J'ai quelque chose à y... Ouais, j'ai quelque chose à y trouver dans cette pièce. Obligatoirement. C'est même une nouvelle pièce. Celle-ci, on la voyait pas avec Edward.
En vrai, ça fait plaisir de ce côté-là. Bon, c'est vrai que j'ai pas été toujours cool avec le jeu. Mais il a quand même de bonnes idées. Le fait d'avoir quelque chose qui se ressemble pas à ce qu'avait fait Resident Evil 2 où il n'y a pas finalement une grande différence entre les aventures de deux personnages. Là, ça a l'air de se démarquer quand même, quoi. De nouveaux personnages, de nouveaux lieux, c'est cool. On va voir comment ça évolue, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Le problème, c'est que je ne sais... c'est l'histoire de ma vie, hein. Je sais toujours pas où aller, parce que j'ai déverrouillé une porte... qui me ramène à l'endroit où je suis déjà allé avant. Edward, dis-moi où aller. Carnby ? Non. Alors, ça fait quoi de se prendre des vents, hein ? Ben d'accord, très bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je peux au moins lutter. Là, j'ai un fusil. Et les monstres me cassent les couilles. Une balle dans la bouche. Ce qui est cool, c'est que les histoires d'Aline et d'Edward sont différentes. Ouais, en vrai, oui. Ça donne... Enfin, ce jeu-là, il y a plein de personnages, il y a plein de jeux qui proposent de jouer deux personnages, mais c'est pas toujours intéressant. C'est en général, genre, on a fait ça pour plaire à tous les publics. Mais dans ce jeu-là, ouais. Oh, une amulette de sauvegarde, cool. Dans ce jeu-là, ouais, c'est pertinent, en fait, de faire les deux côtés, quoi. Mais je suis censé aller où ? Ah, c'est vrai, là, il y a le... Là, en dessous. Ça, c'est Edward qui va l'ouvrir. Carnby ? Mais arrête d'éteindre ta lampe, c'est insupportable, ça aussi. Alors là, ici, il y a quoi, déjà ? Carnby ? Je préférais le... Aline ? Je pense que les monstres ont compris que j'avais trouvé un fusil. Parce que tous les monstres qui apparaissaient dans ces pièces-là, là il y en avait un, ben maintenant ils sont plus là. Ils ont compris. Ils ont vu comment Aline elle parle à Edward, ils se sont dit wow. Ok, la meuf elle est pas très cool. Des balles de magnésium, cool. Ah, mais ça c'était fermé je crois. Les machins. Attends. Alors, ouais, en vrai, va falloir se calmer là. Il nous fait quoi le jeu en fait? Je tire dessus ou pas? C'est-à-dire, le jeu comme ça, il choisit de déverrouiller des portes qui auparavant étaient verrouillées sans aucune justification et ni même une petite scénette. Qui te montre que cette porte, elle est déverrouillée. T'es censé la tester pour savoir qu'en fait, tu peux y aller, alors qu'avant, j'y suis allé et elle était fermée. C'est de la merde. Alors, j'imagine que leur justification, c'est genre, bah, Edward, il est passé par là, donc il a déverrouillé la porte. Mais quand tu joues à Aline pour la première fois, c'est chiant. T'es pas censé le savoir. Eh, ça fait deux fois qu'il me fait ça, par contre. Hein. Ça, c'est relou. Attends, c'est pas une lumière ça? Ouais. Allumé. Voilà. En vrai, t'embête pas avec ces monstres, c'est des sacs à PV. Ouais, j'ai remarqué. Mais bon, c'est bien de pouvoir s'en débarrasser pour. C'est vrai que c'est des sacs à PV. Mais c'est bien de s'en débarrasser pour pouvoir examiner une pièce dans son ensemble, tu sais. Être sûr de rien avoir raté. Alors, je crois qu'il y a une. Ouais, une lumière. Hop! Thank you.
Jasmine, tu sais, quand tu me parlais mal. Oui ? Tu peux continuer, s'il te plaît, j'aime bien. Aline ? Oui ? Je me mets à quatre pattes. Est-ce que tu veux bien m'enfoncer ça dans le rectum ? Aline ? Oui ? T'as des talons ? Tu veux bien me donner des coups ? La porte est verrouillée. Pourquoi je suis venu alors ? Quoi ? Et pourquoi vous m'avez amené ici ? Le jeu, ils sont en train de se foutre de ma gueule, c'est un truc de mal. J'ai pas de clé. Ah, par contre, attends, je vais me soigner. Mais c'est... Mais en vrai, mais... Oh, ça devient... Ah oui, c'est vrai, j'ai une clé à laine. Les trucs que tu utilises, ça, pour... quand tu reçois les meubles, tu sais. Ils mettent des fois dans le colis. Une clé à laine. C'est vrai, j'ai ça. Je dois l'utiliser sur quoi, la clé à laine? Et le mur dans Harry Potter, c'est ça? Poudlard! Me... Me voilà! Ah non, elle ne veut plus! Ah si! Ah! Il est trop drôle, ce jeu, en vrai! Et ça, ils l'ont laissé en mode bon. C'est bon, personne ne le verra. C'est incroyable. Ah! Ah, j'adore! Ah, oh, et pourtant, pourtant, j'ai envie de pleurer hein, quand j'y joue à ce putain de jeu, des fois. Mais alors, ça! Ouh! Merci, jeu. De m'offrir de telles d'Alice. Par contre, j'ai pas quoi faire avec votre clé à laine, là. Non, non, mais non, mais éteins pas la lumière, ça va pas, toi. Allez. On va visiter là, alors. Je trouve qu'en fait, la progression, elle se fait encore de manière moins fluide que celle d'Edward, ce qui est déjà un prodige, parce qu'avec Edward, j'arrivais pas à avancer, avec ces putains de clés de partout, là, que je savais pas quelle serrure c'est ouvrait. Mais là, maintenant, je dois carrément... checker les portes que j'ai pas ouvertes pour savoir si elles ne seraient pas ouvertes toutes seules. Clé à laine. Mais je fais quoi avec une clé à laine? Je dois monter un meuble ou... Ah, ma petite Aline, vous êtes revenue. J'ai reçu le Spunning Gluck de chez Ikea. Ça serait bien que vous me le montiez. Au fait, vous avez trouvé mon nerf? C'est drôle, hein? Oh là là! Bon, on va continuer, puis on va voir si d'autres portes ne seraient pas ouvertes magicalement. La clé sert à monter un meuble Ikea. Ah, c'est évident. C'est évident. Moi j'en ai plein des clés comme ça, parce qu'en fait quand je monte un meuble je les garde. Je me dis oh ça peut être utile. Ce qui fait que même quoi, tu vois les petites étagères que j'ai derrière moi là, ils t'en fournissent une. Pour le moindre petit truc t'en as une. Ce qui fait que bon très vite t'en as beaucoup quoi. Et là-bas il y a quoi déjà? En face? Ah non, attends, je connais là-bas, ouais, c'est là que je suis pas allé, là-bas. Oh, ça sent que je vais encore être bloqué, là, que je vais pas savoir où aller. Là, c'est chez mamie, dans la porte que derrière. Bon, elle est là, hein. Ça se trouve, Edward, il a ouvert. Il a déjà ouvert le trou là dans le mur ici. Non, mais là, je pense que j'ai rien à faire en fait. Ouais, non. Dans la progression, elle va être vraiment casse-couille. Elle va être vraiment chiante. Alors, je sais, j'ai un plan hein, pareil que pour Edward, mais là, il me serait d'aucune utilité.
Alors, il y avait la porte qui était là. Elle était fermée, elle, pour de bon. Ouais, j'avais pas pu l'ouvrir, mais bon. Vous avez cassé la poignée? Bah, Aline, pourquoi t'as fait ça? En éternuant, j'ai voulu dire Resident Evil, mais j'ai pas réussi. Parce que c'était un vrai éternuement, mais par contre, c'était, ça m'a ramené à un vrai souvenir de Resident Evil, la porte cassée. Sauf que là, ça sert à rien. C'est genre, je sais pas, elle a pensé à Edward au moment où elle a ouvert la porte. Oh putain, espèce de petit con, bam! Elle a explosé la poignée. Tu sais, quand t'es un peu vénère et que tu fais n'importe quelle action et que tu exploses l'objet et cette porte s'est ouverte. Cette porte s'est ouverte. Ouais, elle s'est ouverte. C'est fou, hein. Non, mais... Voilà, voilà. On n'est jamais venu ici, hein. Je veux dire, cette porte, elle était fermée avant. Après, c'est peut-être une bonne nouvelle, si ça veut dire que Aline n'aura pas de porte à ouvrir. C'est que Edward qui va s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, cette merde? Vient de passer. Non, heureux, il y avait ça aussi. Je suis en mode DiCaprio avec mon doigt. Mais oui, évidemment. Bah, visiblement, eux aussi, ils étaient en mode DiCaprio. Enfin, quand je dis aussi, je parle des développeurs. C'est une porte, ça? Une porte, ou pas? Pas de porte, ici. Ouais, pas de porte. Bon, ça, là, c'est quoi? Couloir très sombre. Ah. Voilà. Ah oui, 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 c'est ce bureau. Une trousse de soins. Ah, par contre, c'est cool. En vrai, je pense que ouais, au niveau difficulté, ça va être gérable parce que le jeu, il est pas trop méchant. On est un miroir. Le jeu, il est pas trop méchant. Il file pas mal de soins. Je pense que obtenir aussi pas mal de trucs de sauvegarde. Un petit miroir au cadre de bois. Ouais, bah... Ouais, mais Aline, en fait, elle voit plus de manifestations que Edward. Où il y a vraiment... C'est vraiment très proche de la fin du jeu. On commence à voir des dingueries, genre des apparitions magiques, des trucs comme ça. D'une lentille, elle ressemble à un projecteur. Ouais, c'est un projecteur du coup. Mais Aline, ouais, elle voit des fantômes, elle. Non, je peux pas utiliser ma clé Allen ici. Bon, le miroir, ça m'aurait étonné, mais bon, voilà. D'accord. Chou la musique ici en vrai. Oh le lance-grenade. Ok cool. Donc on trouve les mêmes armes en fait, mais à des emplacements différents. Bah, par le revolver. Edward, il avait son propre revolver, mais je crois que c'était pas le même. Après, on s'en fout parce que ça, c'est aussi. Enfin, je comprends pas. Edward, il commence avec un revolver. C'est même dans sa désignation du personnage au début. Il a un revolver. Tu te dis, ok, il a une arme supplémentaire, ça peut être cool. Sauf que une fois que t'as épuisé toutes les balles de ce revolver, t'en trouveras plus aucune. D'accord, du coup, pourquoi vous l'avez mis? Mon Dieu. Que c'est? Ah, pas oui, wow.
tiens, les petits poulets, vous voulez vous faire péter la bouche? Quand je tire une balle sur un de ces machins-là, ça explose tout, hein. Allez hop, au plafond! Merde, j'ai plus de balles! Ouais, forcément, quand tu tires sur les poulets. Je vais sauvegarder quand même, hein? Dérange pas! Des tiques géantes! On va dire ça. Hey, les balles au magnésium, ça sert à quoi? C'est pour le revolver, du coup? Ah, c'est du 9 mm. Pour le revolver, ça. D'accord. Bon, oh, pierre, je pourrais exploser les tiques. Elle lance grenade. Le machin, il éclabousse de partout. Là, je veux dire, autant mettre un pétard dans le boule d'un Yorkshire, quoi. C'est à peu près le même effet. Boudou, il y a des bruits bizarres. Je vais prendre mon flingue quand même. Les head crabs. Alors moi, ça me fait grave penser à des head crabs. Alors, il faudra qu'on file à Aline une crowbar et elle pourrait faire une très belle Gordonette Freemanou. Freemanette. Alors, d'abord, avant d'aller vers la porte, il y a du sang. Une porte que pff, ouais, c'est... Normalement, c'est pas très rassurant, mais je sais pas, je voudrais rien dire. On va aller voir là-bas. Alors, Miss de Morton, ouais. Cette porte est verrouillée. D'accord. Vous retenez, hein. Cette porte est verrouillée. Parce qu'à un moment, elle va se déverrouiller toute seule. Et ça, il faudra le deviner. Avec Edward, je passais mon temps à aller dans les différents couloirs pour chercher les portes ouvertes par mes clés. Là, je vais passer mon temps à essayer de choper les portes qui se sont ouvertes toutes seules. Donc je puisse le savoir. Verrouillé. Ah, le bruit, il est badant un peu. Hein. Voilà. Oui, il ressemble au monstre de Half-Life. Oui, effectivement, bah, tout de suite. Est-ce que du coup... Ah, c'est là où il y a la plante. Est-ce que du coup ça peut être un hasard ou pas? Half-Life s'est sorti. C'était sorti il y avait un moment déjà sur PC. Oh, vous déverrouillez la porte? Ah bon? Alors cette porte-là aussi. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis censé l'interpréter comment, moi, ça? Vous déverrouillez la porte, par contre, non, tu peux pas la prendre. Parce qu'il y a un miroir... un portail magique. J'allais dire, est-ce que je peux utiliser mon miroir? Y a la plante ou pas? Le lit est toujours là, en tout cas. Cette chambre n'a pas résonné de soupir depuis au moins 20 ans. Oh non, ça baisse pas beaucoup dans ce lit. Alors là, il y a quoi? Une boîte de cartouches au phosphore. Ben voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais même reprendre tout de suite mon flingue parce que... Pas mon flingue, mon fusil. Parce que je vous avoue que là, tout de suite, le flingue, ça donne pas envie. Là, il y avait un miroir. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Allons. Allons, n'ayez pas peur. Faites comme Alice, venez à moi. Tout est tellement plus beau de l'autre côté du miroir. Allez, venez. Elle fait des petites rêves à Alice au Pays des Merveilles, d'accord. Et tu m'as l'air tout sauf rassurant comme gars.
Allez, venez, venez, je ne vous ferai rien. Non, je suis gentil. Donc la plante, elle est pas là. On va la laisser pour Edward, hein. Non, c'est pas un truc que je dois ramasser, ça, là. Faut aller voir les objets, hein, pour... Bon, ça aussi, c'est un truc qui m'avait paru curieux avec Edward, c'est que cet endroit-là ne servait à rien. Et ben, en fait, il fallait y aller avec le bon personnage. Du coup, j'y vais. Ah, mais j'y vais vraiment ? Elle craint rien, elle. Ok, j'arrive ! Mais genre... Donnez-moi le miroir. Signez notre pacte. Voulez-vous donner le miroir ? Ouais, tiens, prends. Putain, merci la sauvegarde que j'ai fait juste avant. Merci. Ah. Mais quel gros coup de pute. Faites comme Alice, venez à moi. Oui, il n'inspire pas confiance, tout mais bon, en même temps. Tellement plus beau de qu'est-ce que tu veux? T'es dans un manoir où il y a des... Où il y a des monstres partout, où des mecs te tirent dessus. Et donc, t'essayes de trouver des... T'essayes de trouver des potes assez puissants, tu vois, pour lutter. Logique. Voilà, tu te dis là, bon, bah c'est bon, ok, effectivement, il ressemble à Skeletor. Mais c'est bon, c'est peut-être que ça va être mon meilleur ami. Donnez-moi le miroir. Signez notre pacte. Non. C'est dommage qu'il n'y a pas l'option de faire un doigt. Ah, bim. Ah ouais, d'accord. Ah putain, bien Aline, bien, bien, bien. Je me demande ce que ça fait si tu dis non. Tada ! Je suis là pour ça. Oh, du coup, j'ai eu une napcanis. Vous allez être fier de moi. Je suis déjà fier de vous. J'ai réussi à vaincre le fantôme de Decerto. Il détenait une statuette. Alors notre mission touche à sa fin. Vous en êtes sûr ? Non, je disais ça pour nous donner du courage. Ok. Ok, non, ça va, elle est marrante en fait, sa partie. Il va juste falloir que je me méfie quand on me donne des choix. En tout cas, c'est qu'en général, quand on te donne des choix comme ça, toi, t'es là en mode, Attends. Mais je peux pas sortir de la pièce. Je peux pas rembobiner, bien sûr. Je peux pas sortir de la pièce. Je peux pas sauvegarder. Fais quoi ? Vous avez un petit côté un petit peu angoissant, hein ? Bon, pas de plante. Non, on va la laisser à Edward, cette plante. Est-ce que ça veut dire que maintenant, la porte qui voulait pas s'ouvrir, là... Ah bah voilà. Oh, c'est qui lui ? Ah mais c'est lui, c'est l'Indien. Je vous félicite. L'Indien du placard. Et j'admire votre courage. Mais qui êtes-vous ? Mon nom est Eden Shaw. Je vous rencontre, enfin. Peut-être allez-vous pouvoir m'expliquer ? Je veux parler à Obed Morton. Avant de lui parler, vous devriez aller dans son bureau. Vous en apprendrez beaucoup plus. Mais que lui est-il arrivé ? Nous n'avons plus le temps. Je suis le dernier chaman et j'ai besoin de votre aide. Mes ancêtres m'ont enseigné le rituel qui permet de détruire l'antre des ténèbres. Je dois l'accomplir cette nuit. Après, il sera trop tard pour le peuple des hommes. Nous devons arrêter l'ombre avant qu'elle ne répande sa froide noirceur sur notre monde. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il faut réunir les 7 statuettes de nos 7 dieux de la lumière. Alors, je pourrai accomplir le rituel. Alors, je pourrai devenir celui que les hommes blancs m'ont empêché de devenir, le dernier guerrier de la lumière. Je promets de vous aider, mais... Comment pourrais-je les reconnaître ? Chacun des 7 dieux a pour compagnon un animal divin.
Les statuettes les représentent. D'accord, en fait, c'est une habitude en fait, qu'il a, lui. Mais... C'est-à-dire, dès qu'il disparaît du... Il sort du champ. Eden, en marche arrière. Ah, petit Campbell appel à Edward. À Eden Shaw, je suis sûr qu'il est Apkanis. Et alors ? Eden Shaw est un indien Apkanis, Carnby. Les indiens Apkanis ont disparu depuis le début du 19e. J'avoue que je ne me rends pas bien compte. Bon, passons. Il a besoin de 7 statuettes pour accomplir un rituel. C'est ce qu'il vous a dit ? Non. Il m'a dit qu'il ne lui restait plus de glace à la fraise. Oh, Carnby, évidemment que c'est ce qu'il m'a dit. Si j'ai bien compris, ces statuettes représentent des animaux. Alors nous ne devrions pas avoir de mal à les reconnaître. Pouf. Dès que j'en trouve une, je vous appelle. Oh, oh là 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 là. Bon. D'ailleurs, j'aime beaucoup la réaction d'Edward aussi. Hein. Elle lui parle. Il est Apkanis, hein ? Et alors ? Bon, bah les couilles. Bon, du coup, ça donne quoi ? Maintenant, je peux l'ouvrir cette porte au moins. Voilà, enfin une porte que je peux ouvrir et je comprends pourquoi. Celle-ci, ça va, c'est justifié parce qu'il y avait un effet et je pense que cet effet il était dû à l'indien du placard. Oui, effectivement, le mec, le fantôme. Oh là. Oh là. Le fantôme, c'était deux certos, donc oui. Oui, c'est le gars dont on entend beaucoup parler dans les notes là. Un petit peu un but de sa personne. C'est, je suis deux certos. Ah, mais on est dans le hall. Ah non. Si, on est complètement dans le hall. La porte d'entrée, j'imagine. De toute façon, elle est fermée, celle-ci. Ouais, cette porte paraît condamnée. Ok. Donc, elle la prendra jamais, en fait, cette porte, Aline. Ça, c'est une porte pour Edward, encore. Le vieux traité. Et du coup... Alors, du coup, tiens, est-ce que je peux l'ouvrir, ça ? Il manque... un des ornements du miroir. Ah. Et voilà pourquoi, avec Edward, je pouvais plus ouvrir cette porte au bout d'un moment. Par contre, oui, il fallait le deviner. C'est-à-dire, juste, l'interaction avec cette porte n'était plus possible. Alors, du coup, ouais, maintenant c'est compréhensible, mais... Encore une fois, qu'est-ce que c'est bien fait ? Attends. Tu veux pas pousser ? Oh merde ! Désolé, je voulais courir, je me suis trompé. Ah ouais, c'est très mal fait en vrai, ça. C'est-à-dire, si tu le sais pas, si tu joues à Aline pour la première fois et que tu vois les traces au sol, tu te dis, bah, faut la pousser cette statue, c'est logique. J'ai joué à Resident Evil. Et non, c'est juste avec Edward. Mais, toi, tu peux pas le savoir, quoi. Ah, c'est dommage, hein, c'est ce que j'avais dit. Une des premières fois où j'ai joué au jeu, c'est que il se loupe sur des petits détails. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il se loupe sur des petits détails, quoi. C'est pas nul, mais il y a des trucs qui réussissent pas. Attends, mais tu peux pas... Okay, mais si. Mais je vois qu'il y a un objet à récupérer, là. Mais... Descendre encore toute chaude. Ah oui, mais... Bien moins chaude que toi, Aline. Qu'est-ce que... Mais récupère le truc. Tu dois passer derrière. Oh là là, puis c'est plein de caméras, quoi. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh non, mais ça, c'est nul. Ok, alors là, il y a deux portes, du coup. Et je me rappelle plus où ça va. Alors... L'une qui va vers le couloir et elle, je ne sais plus. Mais oui, effectivement, le couloir, j'avais pas fouillé à fond, donc ça peut être intéressant. Ok, cette porte est verrouillée, donc c'est bon, c'est conclu.
Moi, j'adore ce jeu. Celui-ci? En vrai, je comprends que la dernière fois, tu m'as dit Alone in the Dark Inferno. Je comprends. C'est un petit plaisir coupable. Lui, c'est compliqué de justifier. Il y a pas mal de trucs qui vont pas. Au niveau de ma vie. J'ai été à l'autre bout de ce couloir là. Tweak. Hop. Je sais plus. C'est pas le fumoir ça justement. Ah mais non, le fumoir il est à l'étage. Et quoi ça déjà? Attends, mais... Donc ça, c'était la bibliothèque. Cette porte est verrouillée. Mmh. Étonnamment, on va pouvoir y aller visiblement avec Aline dans la bibliothèque, alors que ça avait l'air d'être un endroit plutôt réservé à Edward. Mais ok, pourquoi pas. Vu qu'elle te dit, ouais non, ne touche à rien, etc. Donc, là je suis ici. Ouais. Quoi ça? Ah, bah le fumoir. Ah, tu vois, il me semblait qu'il était au premier étage. Alors, vraiment, c'est vraiment un test. Mais... Voilà, c'est vrai. Mais ça m'a fait peur, j'avais oublié. Et non, c'est pas ici. J'avoue, il fait pas trop Carnby. Bah, c'est pas le style, c'est pas le flegme que j'imaginais pour un Edward Carnby, quoi. Quoi déjà ici? Finalement, c'est ça, c'est le jeu. Hein? C'est un jeu où tu parcours les couloirs à la recherche de portes. Des fois elles s'ouvrent, des fois elles s'ouvrent pas. Carnby, c'était la même chose, sauf que je devais aller dans le menu en plus pour savoir si je pouvais l'ouvrir. Eh mais attends. Eh mais je connais pas. Ah! Alors du coup, un coup classique, hein, n'est-ce pas? Mais. Si là je me retrouve à pouvoir ouvrir cette porte, c'est qu'avant cette porte elle était fermée, bien sûr. Ça fatigue, en vrai ça fatigue tellement. C'est quoi ça? Non, y a rien là? Ok. C'est quoi? C'est des balles? Oh, un miroir! Le plan de miroir, d'ailleurs. Il n'existe pas avec Carnby, ce plan de miroir, non? Il semble fendu. Le miroir semble fendu? Je teste, hein, je suis désolé. Ça a fait un impact, mais... Oh putain, oui! Un livre qu'on n'a jamais ouvert. Alors je sais pas pourquoi c'est croppé en bas. Ma capture qui a fait nimp, je suppose. Ces mots sont de la bouche des dieux. Ce sont des lames, des éclairs, des roulements de tonnerre. Chaman, toi qui les lis, sache que le danger qu'ils recèlent est bien plus grand que le pouvoir dont tu rêves. La colère du grand Hécatonkir sera terrible pour tous les usurpateurs chamans. Cette langue t'a été transmise par ton père, par le père de ton père, et au-delà d'elle, et au-delà, elle est ta chair, elle est ton sang. Tu es au service du peuple des hommes dans sa lutte contre le peuple des ombres. Le rituel d'ouverture de la porte ne peut être accompli que lors du 18e cycle de la lune, chaman. Il te faudra invoquer les 7 noms des 7 dieux de la lumière Hécatonkir, Gilgamesh, Ouphénos, Anticolt,
Héliopaner, Mélacanthe et Myclès ensuite observent le vol des enfants du ciel. Si leurs ailes battent l'air, renoncent au grand rituel. Il ne pourra en advenir qu'un grand malheur. Par contre, si leurs ailes les portent dans le courant, il faudra te préparer à la plus longue nuit de ta vie. Présente-toi pur et sans crainte. Invoque une dernière fois nos dieux de la lumière, puis agenouille-toi et profère d'une voix claire les paroles sacrées. Olar Ekbati Anus Erio. Ça va peut-être être important, les paroles. Bien que je ne suis pas sûr, parce que finalement, généralement, quand c'est important, c'est en rouge. Je devrais retourner voir Lue Morton. Ah, Lucie! C'est qui ça? Ah, donc elle s'appelle Lucie. Non, mais en plus, j'avais complètement oublié que... Elle s'appelait... Enfin, j'avais oublié, non. Je crois que je n'avais pas su qu'elle s'appelait Lucie. Yeah ah oh, c'est des chiens. Oh non, c'est des chiens. C'est les pires ennemis du jeu. Non, j'exagère. C'est pas les pires ennemis du jeu. Il y a bien plus chiant que ça. Ils sont casse-couilles quand même. Cette porte, je peux l'ouvrir? Bah, dites-moi oui, parce que là, ça... Vous déverrouillez la porte. Merci. Bon, Lucie. Et comment j'y retourne, moi, chez la grand-mère? Cette gourde, elle a pété la porte. Bah, heureusement qu'elle a pas pété la porte de chez la grand-mère directement, hein. Ah, mais je suis revenu là? Attends. Mais attends, quoi? Mais on y est chez la grand-mère? Quoi? Ça m'a téléporté? C'est cool, le jeu il fait les montages à ma place. J'ai pas besoin de le faire. Ouais, bah mamie, hein. Alors? Vous avez pu voir Obed? Malheureusement, je crois... Je ne comprends pas ce qui se passe. Obed a-t-il des ennemis? Qu'a-t-il fait pour que tout le monde lui en veuille autant? Et pourquoi m'avoir caché que vous aviez un autre fils? Alan? Cette bête immonde n'est plus mon fils! Il ne nous reste plus beaucoup d'espoir. Notre famille cache un lourd secret dont Alan est la cause, mademoiselle. Obed m'a remis ceci. Tenez! Un prisme de verre. Ah, bah ça, je sais. Je pense où l'utiliser. Probablement sur le... De quoi vous parlez? La machine dans le bureau, là. Vous savez mieux que moi. Allez! Partez! Je suis fatiguée. Je veux dormir. Dans le fond, vous m'êtes très antipathique. Bah merci, mamie. Finalement, c'est une connasse. C'est vrai que je m'étais dit, oh, bah, elle est plus sympa avec Aline qu'avec Edouard, mais non, non. Non, non. Une connasse. Ok, je vais regarder quand même. Mais à mon avis, ça, ouais, c'est sur le vidéoprojecteur, non? À 8 côtés. Oui, non, mais si, ça doit être ça. Ça doit être ça, ça va projeter quelque chose, mais ouais. Bon, maintenant, il va falloir le retrouver, le vidéoprojecteur. Et là, attention, magie, ça va pas me ramener à la pièce où, par laquelle je suis arrivé ici, normalement. Et non. Mais putain. Genre, mais quand tu joues à ça la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais pourquoi j'ai été téléporté ici? Alors, ouais, d'accord. Elle l'a dit, je dois aller retourner voir Lucie, etc. Bon, bah, le jeu te prive de. Et merci de devoir arpenter de nouveau tous les couloirs pour comprendre, pour savoir où aller. Mais je sais pas, ça manque d'un. Ça manque d'une mise en scène pour te faire comprendre que du temps a passé, que.
elle est arrivée toute seule devant, enfin, dans la chambre de Lucie, tu sais. Enfin, ça me paraît basique de vous dire ça, mais en même temps... Oh. Alors, le problème, c'est que ce bureau-là, je ne sais plus exactement où elle est. Bisous, mamie. Du coup, là, je peux l'ouvrir maintenant, lui, ou pas? Ouais, maintenant, je peux l'ouvrir. C'était bien ici que... Attends, c'est... si, c'était là, où il y avait des mecs qui parlaient. Et du coup, bah, la porte était inaccessible, forcément. Il y avait une conversation derrière. Du coup, c'est où? Attends, je suis où? Je suis où? Ah, oui. Ça manque peut-être de, sur la carte, de rajouter le nom des pièces. Voilà. C'est que là, du coup... Ah, bah c'est là où je voulais aller. Parfait. Et encore, je suis pas sûr, mais je pense que oui, c'est ça. Ce projecteur-là, il sert pas à Edward. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis dit que tout compte fait, j'allais quand même prendre un soin. Voilà, et utiliser ça. Ok, c'est bien ça. Quelle heure là? Fait combien de temps que je joue à ça? Ça, elle est placée à l'intérieur. Je fais quoi alors? Ça diffuse quelque chose si ça se trouve? Quelque chose. Il manque quelque chose. Je dois regarder en mettant là. Non. Cherche quoi? Un bouton? Attends, fermer la fermer. Éteindre la lumière. Ah oui, du coup, ça paraît un peu logique. Quelque chose. Une source de lumière pour projeter quelque chose. Ah. Pour ça que derrière il y a une... Il y a un crochet. Ça marche avec ma lampe. Ok, merci du tuyau. Ah oui, ça marche avec la lampe. Oh, c'est fou. Ok, merci. Que ça, je pense que je l'aurais pas trouvé. Tu n'aurais jamais dû te mettre en travers de mon chemin. Il ne faut jamais tenter de lutter contre son destin. Mais ta mort ne sera pas vaine. Ton corps va bientôt connaître une nouvelle jeunesse. L'ombre mêlée à ton sang fera de toi un être plus fort, plus rapide. Un être complet, merveilleusement complet. Première injection, adieu, père. Deuxième injection, bienvenue, homme nouveau.
Il est moisi, ton père. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que c'est, ça, encore? Il est où, ça? Un cube ciselé? Carte 3D de la bibliothèque. Carnby ? Je vais directement à la bibliothèque, ça fonctionne ? Ou je dois trouver la clé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé avec mamie? Elle m'a filé le... Elle m'a filé l'objet pour utiliser le projecteur. Et après, elle m'a dit que j'étais une connasse. En gros, c'est ça. Une porte qui est encore grise à droite, là. J'ai envie d'aller voir, mais... partout. Tu parles d'une partie qui était censée être plus simple. Aline, c'est vénère en vrai. Bah, je trouve pas que c'est plus simple qu'avec Edward. Ah oui, ça s'est ouvert. Mais niquez vos mères en vrai. Qu'est-ce que c'est chiant. Putain. Calme le machin là. J'ai allumé la lumière. Ah, éteins. Champollion, évidemment, l'homme qui a découvert le secret des hiéroglyphes égyptiens. Ouais. Oh, des trousses de soins. Ce qui est bien, c'est qu'on me les donne par trois, vraiment. De ce point de vue là, oui, c'est plus facile, mais le reste, non, c'est chiant. Alors. Oh, un journal. Eden Show. Non, je crois que je pense pas que j'ai la possibilité de recropper ce truc là. C'est bien pas de la capture directement. Normalement tout est bien fait. Mais, attends. Ah oui d'accord, non c'est okay, c'est encore c'est particulier. Vous sur la capture, sur la vidéo, le 13 il apparaît bien. Moi sur ma télé, il manque une partie, une bonne partie. Du fait que là, je suis pas trop capable de savoir si c'est un 12 ou un 13 en réalité. Eden Shaw a été un véritable père pour nous. Il était sans doute le meilleur, voire le seul ami de mon grand-père, Jérémy. J'ai toujours senti qu'ils étaient liés par quelque chose de très fort, comme un secret ou une faute. Je me souviens que lorsque nous étions enfants, ils nous confondaient toujours à l'année et moi. Mais je ne vais pas continuer à lire ça, vous savez pourquoi? Parce qu'on le connaît, ce journal, et oui, je l'avais déjà vu. Ok. Un chat s'est coincé la queue dans une porte. Ok, ils n'ont pas été chercher très loin leur bruitage de monstre. Hein. Je me suis tapé la honte là, je devrais pas faire ça moi. Alors. Richard Morton. Ah c'est De Certeau, quand il se la joue un petit peu. Ouais mais pareil, on connaît. Et ben De Certeau lui a pété sa bouche. Bon. En tout cas, il n'y a pas grand chose à faire ici. J'ai récupéré un soin, si je suis content. J'ai récupéré un soin. Le genre de bruit que j'entends chez moi, voilà, la nuit, quand il y a des chats qui sont en train de se battre. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Là, cette porte, je peux l'ouvrir ou pas? Ah non. Ah oui, d'accord. Celle-ci, elle paraît condamnée. Alors, c'est là où on avait vu du sang tout à l'heure. Hein. Mais celle-ci, elle est condamnée, quoi. Ok. Alors, je cherche quoi déjà? Ah oui, la bibliothèque. Oui. Bibliothèque, ouais, j'ai un moyen d'y aller. Oh tiens, il y a des monstres qui sont revenus ici. Non, c'est pas là. Ah merde, putain, c'est là. Bibou fait le même cri quand tu lui marches accidentellement sur une patte. Vous pouvez pas faire attention ? Pauvre Bibou ! Alors du coup, c'est ouvert ou pas la bibliothèque ? Ça m'arrangerait en vrai. Ah oui, c'est ouvert. J'ai même plus envie d'être désespéré en vrai. En réalité, ça me saoule vraiment ce genre de détail. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, bah, j'aime un petit peu moins la partie avec avec Aline. Parce que certes, c'est chiant avec Edward de trouver les portes qui s'ouvraient avec mes clés. J'en ai passé du temps à fouiller ici. Mais au moins, quand une porte s'ouvrait, bah, je savais pourquoi. Bah, c'est fou, quoi. Pas le temps de lire. Ouais, ça j'ai déjà entendu. Bon, la bonne nouvelle, Aline, c'est que, a priori, en tout cas, je te le souhaite, on va pas devoir rebattre Batman. Hein. Alors, est-ce que j'utilise mon cube? C'est la lecture à 49 pages, ça. Ouais, bah non, hein. Non. Non, j'ai pas trop envie. Ça me dit rien. Quoi ? Pourquoi on me souhaite bonne chance ? Je vais en avoir besoin. De quoi ? Mais non. Mais quoi ? On tape le boss une fois, il va pas revenir là quand même. Alors, est-ce que il y a des choses à faire dans les bibliothèques? Je sais pas. La forme de la carte 3D m'évoque ces machins là, moi. C'est quoi ça qui est par terre? Je fasse quoi? Attends, Edward. Vas-y, Edward. Carnby. Oui, Aline. Je suis dans la bibliothèque. Je suis persuadée qu'elle ne m'a pas révélé tous ses secrets, mais... Ça, c'est sûr, vous n'aurez pas le temps de lire tous les livres qu'elle contient. Je pensais pas à ça. Oh, j'ai récupéré une sorte de cube de métal ciselé. Y a peut-être un lien? Alors, fiez-vous à votre intuition. Merci, Edward. Parfait. Bon, on va faire ça, alors. On va suivre à mon intuition. Plutôt suivre à une soluce. Si ça me saoule. Vraiment, je peux rien faire avec toi. La statue est beaucoup plus ancienne que le reste. Mon intuition.
on s'y persolise. On dirait qu'il y a quelque chose à faire, hein, mais... ça serait gentil de me dire quoi. Je vais éteindre et puis on va voir. Ça révèle quelque chose. Étagère gauche. Ça veut rien dire, étagère gauche. Étagère gauche, comment ça, étagère gauche? Étagère gauche à partir d'où? Je semi-spoil, vas-y, te prive pas. Ouais, étagère gauche, celle-ci là? Ça? Franchement, la bibliothèque, puis endroit du jeu, j'avoue. À chaque fois qu'il y a un truc à faire ici, une énigme et tout, c'est le bordel. Voilà. En vrai, sauvegarde. Okay. Ça va, c'est rassurant. C'est méga rassurant. Entre ça et ton bonne chance de tout à l'heure, tout va bien. Je me sens pas du tout en danger. Prendre un soin aussi, tiens. Visiblement. Alors, examiner. Un code, mais... Hein? Moi, je vois un 9, là. 9. Un 9, 9. Ah, il me manque une partie. Un 9, 9, 1, peut-être. Ouais, si ça a l'air d'être ça. Tu fais peur, Ludo. Fais exprès. Il me torture. Ah, c'est ça. Ma PS2, elle a fait... Tablette Apcanis. Trou de soin. Là, le jeu te donne le nécessaire pour... Tu sais, le kit de survie. Actionner ce levier. C'est que ça encore. Ah bah écoutez, ça va se terminer un coup de grenade dans le cul, ça. J'espère que lui... J'espère que lui, il n'y aura pas un bordel à faire pour l'attaquer, en mode, je dois d'abord lui tirer dessus pour qu'il écarte les bras, et comme ça, je lui tire dans le torse. Faites pas ça, hein. Allez, viens là. On dirait le mec dans les gardiens de la galaxie. Les gardiens de la galaxie. Il s'est tout pris dans le nez, il a pas compris. Mais il est éclaté, c'est quoi cette arme? Voilà, c'est bon, c'est mort. Oh, vous m'avez inquiété pour rien. J'ai limite envie de le refaire pour m'éclater. Non, j'ai limite envie de le refaire parce que j'ai utilisé des grenades pour rien. Je quitte le jeu, je le refais. Le pauvre, c'est la première fois qu'il ouvrait ses beaux petits yeux sur le monde. Il découvrait la vie. Et là, il s'est pris une grenade. Fauché en pleine jeunesse. C'est un peu drôle quand même. Ah, mais oui, non, mais c'est vrai que ça fait très.
Quand tu vois ça, bon, bah, un monstre dans une cube, bien sûr que ça fait tyran. Hein, t'as envie de ramener Albert Wesker et de le voir l'empaler, tu vois. Petit ange parti trop tôt. Regarde-moi ce petit ange. En plus, lui aussi, il a une main pourrie. Non, mais même les deux, les mains griffues, là. Bon, alors par contre, faut que tu viennes vers moi. Ah, raté. Faut bien vraiment que le bout de mon arme soit sur lui. Elle est naze, cette arme, là-haut. J'aurais pas dû recommencer, j'ai gâché autant de munitions. Tant pis. Qu'est-ce que tu m'as donné, copain? Hop, je marche dessus. J'ai aucun respect pour ce machin. Et tu m'as donné... une moitié de médaillon. Candy? J'ai affronté Candy. Dave Batista, tu connais? Oui, Aline. Je suis dans la bibliothèque. Je suis persuadée qu'elle ne m'a pas révélé tous ses secrets, mais... Oh, moi, je pense que c'est sûr, vous n'aurez pas le temps de lire tout... Je pense... Allez, vos gueules, alors... vos gueules, ta gueule. Non, en vrai, ta gueule. Une moitié de médaillon? Bah... Mais putain, mais ça me sert à rien, une moitié de médaillon. Un demi-soleil. Ah, c'est peut-être le machin qu'on met dans le miroir en bas. Eh, Pampang! Comment il va? En même temps, il se réveille, il te fonce direct dessus. Bah, il est un peu chafouin. Il était tranquillement en train de dormir dans son sol. Et je l'ai tiré jusqu'à moi. Tu vois, il est arrivé en pleine lumière. Il était là. Bah, évidemment que... Il a mal pris, c'est normal. Non, c'est ça que je vais utiliser. Putain, j'ai 8 kits de soins, c'est trop cool. Alors ça, du coup, c'est quoi? Examiner. Caractère, Abkanis... Okay. Alors ouais, je pense que ça s'utilise dans le miroir en bas. Bah non, c'est moitié de médaillon. Mais non, c'est pas. Tu n'utilises pas une moitié de médaillon dans une porte. Que je dois faire avec ce truc encore, putain, c'est pas vrai. T'as dû être d'Albanis d'Anticult. Examiné. T'as rien sur toi. On dirait que je parle comme un flic. T'as rien sur toi. Du shit. Alors, putain. Je sais pas où aller. Ah, te dirais sans doute quelque chose à Lucy Morton. Oh, moi, je préfère qu'elle dise ça. En vrai, je préfère que ça se passe comme ça. Que là, tout d'un coup, je dois trouver une porte que je sais pas. Je sais pas où elle est, je sais pas pourquoi elle s'est ouverte. Lucy! Dis-moi, t'avais l'air de beaucoup m'apprécier la dernière fois qu'on s'est vu. Hein? Si je te mets la lumière dans les yeux comme ça au réveil, ça te dit quelque chose aussi? J'ai encore besoin de vous, une dernière fois. Je savais que vous reviendriez. Avez-vous pu parler à Obed? Pas encore, mais je suis sûre qu'il est vivant. Je dois vous dire... Vos fils sont des monstres. Non. Et c'est cette île qui est monstrueuse. Vous savez, mademoiselle, cette nuit n'est pas comme les autres. Et moi... Je vais me laisser entraîner. Je vais me laisser sombrer. J'en ai assez maintenant. Je veux me reposer. Sauvez votre âme. Je vais essayer de commencer par le corps. Mais j'arrive pas à sortir de cette maison. Je n'ai que cette moitié de médaillon. Je ne sais pas comment vous l'avez obtenu et ne veux pas le savoir. Tenez, voici l'autre moitié. Ah mais elle est lunatique, elle. Tout à l'heure, elle m'a envoyé chier comme une merde. Je voudrais vous demander une dernière chose. Et là, elle m'aide à partir. Je vous en prie. Votre fils, Obed, vous a-t-il déjà parlé... Je veux dire, vous a-t-il dit qu'il avait un enfant? Une fille? Obed, un enfant? Mais avec qui? Obed ne s'est jamais intéressé qu'à ces maudits Indiens. Obed a brûlé sa vie au feu d'une malsaine passion. D'ailleurs,
Comment en aurait-il pu être autrement? Mais pourquoi cette question? Pour rien, pour rien. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous le ramener. Ne vous inquiétez pas. Non. Vous ne ferez rien de tout cela. Je dois mourir et vous devez vivre. Quels sont nos destins? Qu'est-ce que vous êtes con? Allez en paix. Moi, je vais rentrer au royaume des ombres et Howard m'y rejoindra dès que vous l'aurez libéré. Ça marche, éclate-toi. Si, ma... Vous êtes vraiment con. C'est moi où elle est coiffée comme Man dans Futurama. Il lui faut une grande robe. Une grande robe qui lui donne des formes. C'est là qu'il y a un peu de ça. Hein. Fini mon petit stream, je me pose chez toi. Ah, sois la bienvenue, Angel. T'as joué à quoi d'ailleurs? J'ai rien suivi, mais elle semble très proche de la mort en effet. Oh oui, enfin, la démence est pas très loin non plus. Hein. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit je vous aime pas en fait. Et là, elle m'aide, elle me donne des médaillons et tout. Alors, combiné. Oui. Ouais, le soleil de bronze. Oh, c'est peut-être ça que je dois mettre dans le miroir, en fait. Examiner. J'ai deux médaillons ensemble. Bah, je sais pas. Peut-être. Heureusement qu'en fait, elle a pris l'initiative de venir ici toute seule. Hein. Et qu'elle a dit, bon, je vais quand même aller voir mamie. J'ai fait quelques jeux d'horreur et Chio. Ah ouais, putain, les meilleurs. Il y a des petits jeux d'horreur que personne connaît, mais qui sont rigolos la plupart du temps. Et bien que fait dodo, oui, c'est ça. Bon, on n'aura plus besoin de revenir la voir, celle-ci. Oh, qu'est-ce que c'est, ça, encore? Oh, il s'est relevé, lui. Oh, Dave Batista. En route pour les gardiens de la Galaxie 4. Il est grave déter. Regardez, elle tremble. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi elle fait ça avec sa lampe? Il marche pas d'ailleurs. Ah si, elle marche. Attention, hop, éblouissance. Attends. Ouais, mais c'est inversé en fait, c'est pas évident. Bonjour. Bon, je vous montre du doigt comme ça. Je vous montre de la lampe parce qu'on va pas tarder à s'arrêter. J'aimerais juste savoir où va mon médaillon. Donc on va peut-être essayer d'aller dans le hall. J'ai un petit problème, je contrôle pas mes mouvements. Comment je vais dans le hall, moi? Alors, il y a un escalier ici. Ouais, bon, ben, il est là. C'est à côté de la bibliothèque, je crois. Et après, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Parce que ça fait partie des nouveaux objets qui ont été introduits dans l'histoire d'Aline. Edward n'avait pas. Donc je pense que ouais, c'est ça. Ça doit se mettre dans le miroir. Si c'est pas dans le miroir, bah, c'est la prochaine fois qu'on trouvera quoi faire avec ces trucs. Hein. Mais oui, du coup, vu qu'elle peut pas sortir du manoir par la porte principale. Pourquoi? Bah parce que... vous en posez des questions bizarres. Pourquoi elle peut pas prendre la porte? Parce que... Le jeu l'a décidé. Et quoi en bas déjà? Ouais, je me souviens plus. Ouais, j'ai trop eu peur. Qu'est-ce qu'a fait Graou? Elle a pas gueulé comme ça? Je disais quoi? Attends, c'est où? Il m'a complètement sorti de mon speech, lui. Et des Batista qui a gueulé? Non, 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 mais non, mais faites pas ça! Mais ça, faut pas! Dès que tu sors, quoi, t'as même pas le temps! C'est la bibliothèque, ça, oui. Loulou me faisait la réflexion de la taille des fesses sur le modèle de la meuf. Oui, elle est bien portante, devant aussi. Il y a du monde au balcon, quoi, comme on dit. Et le pire, c'est qu'ils ont... Enfin, quand elle commence le jeu, elle est habillée. Ils ont trouvé un moyen de la dessaper. En plein milieu, même assez tôt dans la partie en réalité. Hein. La première fois que tu la rencontres avec Edward, l'autre personnage, ce qui est assez, relativement tôt dans l'aventure, elle est déjà comme ça en fait. Je pense qu'ils ont essayé de faire une sorte de Lara Croft, mais oui, avec un énorme boulot. La vieille qui ronfle.
Depuis le début, en fait, c'est QL. Est-ce qu'elle est encore ici? Oh, ça va. Pendant un moment, j'ai cru que vous étiez David Batista. Dave, pardon. Bon, est-ce que c'est là? Ça m'a l'air d'être ça, hein. Enfin, je sais pas, en fait. Il y a une sorte de soleil ou je sais pas trop quoi, là, non? Dur à dire. Attends, fais voir. Une étoile? Ouais, si, non, mais... Ah! Cool! Allez, désolé mon petit, tu me choperas pas. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ça me semble pas mal. On aura fait tout le manoir. Peut-être que ça va être plus rapide avec... avec Aline, en fait. Du coup, hop, on sait qu'on va... En plus, voilà, je vous laisse sur... sur la certitude qu'on va retrouver, a priori, David... enfin, Dave, pardon. C'est un ami, donc je l'appelle comme ça. On va retrouver Dave Batista plus tard. A priori, il n'en a pas terminé avec moi, et tant mieux. J'ai encore quelques grenades... Donc ça serait dommage de gâcher. Et voilà. Sinon, que dire, je suis plutôt content de ma capture, en réalité. Mais c'est la seule chose qui m'en rend heureux sur cette partie. Si, à part le fait que, ouais, bah, c'est cool. En fait, on constate vraiment que les deux aventures sont très très différentes. Avec les mêmes lieux, on fait des choses assez... assez différente que qu'avait été Edward. On trouve des énigmes et donc des objets qui sont pas les mêmes. Reste cette histoire de porte qui s'ouvre toute seule parce que... Et ça casse les couilles quand même. Mais bon, ça va, on avance, on progresse. Merci Ludovic quand même pour ton aide. Hein, heureusement qu'il y a quelqu'un qui connaît le jeu ici, parce que là, sinon, je serais toujours en train de chercher le truc dans la bibliothèque. Hein. Voire même un truc avant, quand tu m'as aidé, hein, que t'as dit « Mets ta lampe dans le... » Ah oui, « Mets ta lampe dans le vidéoprojecteur. » Et mais même sur AliExpress, quand ils te vendent des vidéoprojecteurs, ils font pas un truc aussi schlag, en mode tu mets ta lampe torche derrière, et tu le projettes. Même eux, ils le font pas. Et dans le jeu, il y a ça. Ah, c'est fou. Bon, merci d'être passé, des bisous, puis à bientôt. Oh là là.